Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver sur ETS2, puisqu'aujourd'hui on va parler des 20 000 abonnés, on va rouler sur la promode et ça c'est top, et en plus on a un chargement exceptionnel, petite pale d'éolienne à transporter, et en plus on est avec un petit Volvo FM13, donc c'est tout nouveau, je n'ai jamais testé ce camion dans toute l'histoire de TS2, en tout cas depuis que je joue au jeu, ce camion ne me dit rien, donc je l'ai encore jamais testé. On a pas mal de nouveaux modes sur cette vidéo, donc je vais tout vous expliquer, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les 20 000 abonnés qui sont passés, mais à une vitesse folle, en plus quand j'avais pas de connexion, enfin, c'est incroyable franchement, et clairement... Je pourrais jamais autant vous remercier parce que on est quand même 20 000. C'est... waouh quoi. C'est juste incroyable et extrêmement impressionnant. Je pense que quand même ce projet que j'ai fait sur YouTube, bah, tout simplement, je suis très heureux de l'avoir vu grandir. Mais je pense que je me rends pas compte quand même de son ampleur depuis que j'ai plus de 10 000 abonnés. Je pense que à chaque fois qu'on franchit un nouveau palier, je suis vraiment, waouh, je suis tout simplement sous le choc et je suis agréablement surpris, vraiment hyper content. Mais je pense qu'il y a quand même une petite part, comment vous dire, de... Bah, c'est pas de négligence, mais comment vous dire, c'est-à-dire que je pense que je me rends pas compte d'un côté l'expérience que je vis, en fait, et de me dire que, bah, waouh, quoi, en fait, moi, je suis tout simplement... un gamin de 16 ans, écoutez, qui a maintenant 20 000 abonnés parce que ça fait 3 ans qu'il parle devant son PC, quoi. On pourrait le dire comme ça, mais c'est assez incroyable. Et franchement, c'est juste insane ce qui se passe et magique. Donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on va parler du coup de ces 20 000 abonnés, de ce qui est prévu pour les 20 000 abonnés, puisque j'avais prévu quand même des trucs. Voilà. Et on va parler aussi des modes de cette vidéo, puisque là, on n'est plus sur la Rusmap, on est sur la Promode. En fait, on est sur la Rusmap et la Promode, puisque la map du futur est devant vos yeux, mesdames et messieurs. On a... en fait, j'ai tout simplement combiné la Promode et la Rusmap, donc ça me donne un truc, mais qui est tellement complet, c'est incroyable. Regardez, là, c'est la zone dans laquelle on était les dernières fois. Le trajet est bien inscrit ici en jaune, puisque c'est tout ce qu'on a découvert. Et ensuite, on a toute la Promode qui s'ajoute, à savoir qu'on pourra en plus rajouter la Southern Région, qui rajoute, je crois, des trucs dans ce coin-là. Donc ce serait vraiment excellent, mais tout le contenu auquel on a accès, mais là je peux vous dire qu'on n'aura jamais le temps de tout finir, et on va forcément devoir sélectionner des petits trucs. Aujourd'hui on commence tranquille puisqu'on fait un petit voyage Bruxelles-Paris avec notre transport d'éolienne, donc voilà, un petit coucou à tous nos Belges comme d'habitude. J'aimerais bien refaire un petit tour en Espagne, clairement, pourquoi pas visiter l'Italie puisqu'il y a le DLC Italia qui a été rajouté, etc. Puis en fait j'ai un petit peu abandonné la découverte de l'Italie que je devais faire en multi, mais j'ai pas eu le temps, du coup on ira faire un tour par là-bas. Du côté d'Innsbruck aussi j'aimerais bien aller check, et l'Allemagne aussi du Nord, qui est quand même vachement complète sur la Promode, il y a énormément d'artères, etc. Donc ça pourrait être cool. Il y a aussi quand même un petit bout d'Irlande qui est, je pense, à aller voir. L'Islande, et c'est sympa aussi. C'est vrai que j'en avais fait, mais pendant... C'est vrai que ça fait longtemps quand même que je suis pas retourné en Islande. Et là, il y a des trucs qui sont totalement paumés. Mais alors, oui, je sais même pas où c'est, ça. C'est les... Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais même pas ce que c'est. Longyearbyen. C'est peut-être une île totalement perdue. Écoutez, certainement. Ok, donc au nord, comme vous pouvez le voir, bah de la Russie, j'ai l'impression, puisque là, on a la Finlande qui est là, et ouais, donc là, c'est au nord de la Russie. Enfin bref, tellement de contenu, mesdames et messieurs, on pourrait aller faire un petit tour aussi de ce côté-ci, au niveau de la Roumanie. Enfin bref, voilà, il y a tellement de trucs à découvrir, c'est juste incroyable. Du coup, nous on commence avec ce petit Volvo FN13, convoi exceptionnel, transport de pales d'éoliennes, c'est 14 tonnes. On va démarrer le bazar, on a 600 chevaux pour tracter tout ça. Hop, les petits gyrophares, alors ça c'est les gyrophares du DLC, convoi exceptionnel, qui est sorti, bah, spécial transport en fait, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc c'est les gyrophares directement de ce DLC, et après on a les feux du pack de Sizzle. Ah oui, hop, si je fais ça, ça devrait mieux marcher. Voilà, donc là on a les feux du pack de 6, mais d'ailleurs qui s'allument que en plein feu, donc c'est quand même assez étrange.
Voilà, petite plaque tir, etc. Bref, c'est cool. Hop, on va démarrer. Tout simplement, et on va commencer à avancer puisqu'on a quand même 4 heures de route. Donc bon, ça devrait se faire durant cette vidéo. À savoir que on va commencer juste par parler des mods et ensuite on viendra aux 20 000 abonnés. Là, je remercie clairement un abonné qui s'appelle Jay Staff. Voilà, tout simplement, qui est venu me parler en fait de plusieurs mods sur ETS2 qu'il trouvait sympa. Il avait fait des tests en vidéo, dont le Realistic Environment, le Realistic Graphics Mod qu'on est en train d'utiliser maintenant et qui est juste bluffant. Mais c'est à dire que c'est magnifique. Les graphismes du jeu, là, c'est. Je suis ébloui. Il est hyper joli. Clairement, mon jeu très contrasté, etc. Un équilibre qui est parfaitement trouvé. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup à l'abonné du coup qui m'a recommandé. Oups, attendez, on va faire une petite photo. Qui m'a recommandé tout simplement ce mode graphique parce que je le trouve vraiment très 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 joli. Alors, à savoir que j'ai aussi deux parcs de remorques que j'ai mis. On va le faire comme ça. J'ai mis deux packs de remorques dans cette vidéo. Vous aurez les deux liens en description. Donc c'est des packs de remorques divers. Clairement, je pourrais pas vous dire clairement ce que c'est, mais bon. Voilà, au lieu d'avoir le gros pack de Jessica, j'ai plusieurs packs de remorques et du coup ça rajoute deux trois petits trucs. Donc c'est plutôt sympa. Vous aurez tous les liens en description. Pareil pour le lien du camion, ce sera en description. On a bien sûr en mode accessoire le pack de sizzle. Alors malheureusement, il n'est pas totalement compatible avec ce camion. Donc j'ai pas d'accessoire ici, j'ai pas mon petit carnet de portier. Heureusement qu'on a le Gandalf quand même, parce que là, you shouldn't pass. Écoutez, si on n'a pas le Gandalf, voilà, on peut pas faire passer un camion dans une vidéo ETS2 sur ma chaîne. C'est pas possible si on n'a pas de Gandalf. Heureusement qu'il est là, j'ai un petit dé aussi. Mais voilà, c'est pas encore totalement compatible. C'est vrai que sizzle devrait mettre à jour son pack quand même de remorques, parce qu'on a quand même quelques petits voilà sur le Scania nouvelle génération, c'est pas encore totalement compatible, etc. Donc on a quelques soucis. Ce serait cool qu'ils mettent à jour son pack et j'espère qu'il le fera un jour. Voilà. En termes d'entreprise réelle, c'est toujours le même mode, European Companies, je crois. Enfin bref, dans tous les cas, vous retrouvez tous les liens en description. Du coup, j'ai viré le Winter Mode et j'ai rajouté ce mode graphique qui est tout simplement incroyable. Alors, à savoir que sur la remorque, bien sûr, hein, on a des petits essieux directeurs, parce que vous doutez bien que sinon ça passerait pas aussi facilement. Donc il va falloir que je m'habitue un petit peu, parce que, comme vous le savez, peut-être, ou pas du tout, je hais, mais à un point quand même assez élevé, les essieux directeurs. Je déteste ça, ça déforme ma conduite, j'aime pas. Mais bon, d'un autre côté, pour des gros chargements comme ça, IRL, ce serait totalement suicidaire de pas en mettre. Donc bon, on fait avec, mesdames et messieurs, et ça fait super plaisir, parce que là on est à 60 fps sur ETS2, alors que j'ai modé le jeu un peu comme un cochon. Il y a pas mal de modes, il y a la pro mode, la russe map, le mode graphique, un mode de trafic, je sais même pas s'il y a, je sais pas si j'ai utilisé le DP Realistic Traffic. S'il est dans la description, c'est que je l'ai utilisé, sinon c'est que je l'ai pas utilisé. Voilà, on est dans la province de Hainaut, voilà, donc toujours en Belgique. Donc voilà, si vous avez le lien, c'est que j'ai utilisé, sinon non. Voilà, enfin bref, j'ai pas mal de modes et je suis à 60 fps, plus de 60 fps. Et là, je suis content de me dire que j'ai investi dans ma GTX 1080, parce qu'en fait, bah, j'ai un peu upgrade de carte graphique, entre guillemets, juste pour ETS2 et avoir plus de fps sur Arma 3. Résultat, j'ai toujours pas plus de fps sur Arma 3, mais sur ETS2, c'est mieux et c'est même vachement mieux. Donc, je suis vraiment hyper content, parce qu'en soi, voilà, je savais que changer de carte graphique pour avoir plus de fps sur MC 2, bah, ça résolverait pas du tout le problème. Parce que MC2 c'est juste optimisé super mal. Donc en gros, bah, c'est la faute du jeu et pas de notre config. Fernbus, pareil, il y a des petits soucis d'optimisation. Je pense pas qu'on verra de réelle différence. Rainbow Six, par contre, ça c'est pas mal. Ouais. Oh, attendez. Attendez, je viens de voir un petit panneau de campagne publicitaire dans votre voiture. Attachez votre ceinture, non? Dans la voiture ou dans le pare-brise. Go for zero. Notre objectif à tous, zéro tué. Oh là là, mais là, oh bah, ça c'est la miniature, mesdames et messieurs. Ça c'est the miniature of the video. Avec les pales d'éoliennes et tout. Oh là là, mais c'est trop stylé. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de rouler ETS2 et tout simplement de vous faire une vidéo, parce que franchement, pendant une semaine et demie, on va juste régler le fauteuil. Pendant une semaine et demie, mais ça m'a manqué, franchement, de faire des vidéos. Et c'est là où je me rends compte que, bah en fait, YouTube c'est. C'est plus que. Et ça, en fait, je le sais depuis un bout de temps, mais c'est dans ces moments-là où on s'en rend encore plus compte. YouTube, c'est pas juste, si vous voulez, voilà, je me filme, je fais ma petite vidéo, c'est un peu mon passe-temps. C'est vraiment plus qu'un passe-temps, c'est vraiment.
une passion et je dirais même un mode de vie parce que je peux vous dire que sans connexion internet, et j'ai vécu pendant une semaine et demie sans connexion internet, alors c'est pas inhumain, hein, je vous préviens, c'est pas inhumain, je suis pas dépendant, enfin, je suis pas dépendant. Je suis pas dépendant dans le sens vraiment, si vous voulez, péjoratif du terme, à internet, aux jeux vidéo, etc. C'est vrai que c'est quand même vachement bien pour le coup d'avoir une connexion internet, et c'est même essentiel, je pense, en 2018 pour être connecté au monde actuel, etc. Même se cultiver, il y a énormément de choses qu'apporte la connexion internet, c'est pas juste jouer à des jeux vidéo. Et donc, c'est vrai que c'est quand même vachement important, et le fait d'avoir vécu une semaine et demie sans connexion internet, bah, je peux vous dire que déjà de. Bah, d'une part, je me sentais vraiment isolé et un peu comme dans une grotte, mais d'autre part, ça m'emmerdait parce que je pouvais plus tourner de vidéos et en fait, je me rends compte que bah, si j'ai plus YouTube, si j'ai pas de vidéos à tourner en rentrant chez moi, mais je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que en faisant un rythme de une vidéo par jour, c'est quand même beaucoup, d'accord? Une vidéo par jour de 30 minutes, vous faites le calcul par semaine, ça fait quand même 3h30 de vidéo. Vous multipliez par deux parce que le montage ça dure aussi 30 minutes. En tout cas le rendu, hein, je parle le rendu. Bon, je mets 5 minutes à monter mes vidéos si vous voulez, mais le rendu fait 30 minutes. On va pas compter les 5 minutes de montage. Donc on va dire x2. Ça fait quand même là pour le coup 7 heures. Bon, voilà, 7 heures par semaine consacrée à YouTube. Alors je parle pas d'upload, je parle pas de miniature, je parle pas de description, je parle pas de réponse aux commentaires. Voilà, mais rien que 7 heures pour faire une vidéo, c'est déjà pas mal. Vas-y, 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 vas-y. Oh mon gueule. Oh là là, de temps. Ça. Bref, tant pis pour elle. Donc voilà, c'est quand même du temps à consacrer. Et en faisant un rythme d'une vidéo par semaine, bah, je me rends compte que tout simplement, eh bien en fait, je me suis quand même imposé, si vous voulez, un rythme soutenu. Voilà, c'est quand même pas rien. Et en fait, j'ai toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que bah voilà, je rentre chez moi, je sais ce que j'ai à faire, j'ai des vidéos à faire, mes devoirs c'est de telle heure à telle heure, et il faut que j'arrive à concilier l'école, YouTube et en plus de ça ma famille. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile, mais d'un autre côté c'est essentiel pour pouvoir se développer sereinement sur YouTube et ne pas se sentir comment dire stressé ou encore trop sous la pression. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même contraignant d'avoir un programme aussi soutenu. Et en fait, bah voilà, quand j'ai tout simplement, j'avais pas de connexion internet, bah je rentrais chez moi, je me détendais en fait, j'avais rien à faire, je me posais dans mon canapé, pour vous dire, j'ai regardé C'est pas sorcier un mercredi après-midi, alors que d'habitude, mercredi après-midi, qu'est-ce que c'est? C'est Vidéo MC 2, Patrouille Arma for Life, jouer avec la team sur Rainbow Six, et voilà, et là j'étais en train de me manger des céréales devant C'est pas sorcier, et je sais pas, je prenais du plaisir aussi, mais. Je me disais, voilà, enfin, sur le coup, je me suis dit, mais Coco, mais en fait, tu perds ton temps. Mais en fait, tu perds ton temps. Non, tu perds pas ton temps parce que tu peux pas faire de vidéo, donc t'es bien obligé de faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est là où je me rends compte que YouTube, c'est vraiment plus que, comme je vous dis, un passe-temps. C'est vraiment, en tout cas, ma vision de YouTube et en tout cas la vision que j'aimerais donner à la chaîne. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, si vous voulez, régulier, sérieux, rigoureux. Et si vous n'êtes pas organisé sur YouTube, vous ne pouvez pas tout simplement réussir. Réussir dans le sens, je dis, se développer, avoir, si vous voulez, un équilibre sain, etc. Faire en sorte de concilier votre vie privée, votre vie sur YouTube. Vous ne pourrez pas, si vous n'êtes pas organisé, avoir des statistiques, entre guillemets, sur YouTube qui augmentent, pardon, et en même temps, réussir à avoir un rythme de vie sain. Bon, je peux l'appeler ça comme ça, en tout cas quelque chose de plutôt soft, ou voilà, si vous voulez, vous ne craquez pas sous l'effet de la pression. Je pense que clairement, voilà, si vous n'avez pas d'organisation, bah soit écoutez, vos stats YouTube vont pas monter, ou alors soit vous allez être débordé sous la pression et au bout d'un moment vous allez craquer. Et vous allez faire une overdose parce que trop de pression, vous allez pas réussir à faire des trucs, ça va vous énerver parce que vous avez pas réussi à faire les trucs, du coup forcément ça va se répercuter que ce soit sur YouTube ou sur votre vie privée et ça ne marchera pas. Donc moi franchement, et c'est là où, parce qu'il y a énormément de gens qui me disent mais comment tu fais pour faire une vidéo par jour, t'es au lycée, voilà, t'as quand même des cours à suivre, etc. Et bien tout simplement la clé c'est l'organisation. L'organisation, la rigueur, ça c'est vraiment des qualités qui je pense sont essentielles sur YouTube. Après sur YouTube, quand je dis sur YouTube, c'est si vous voulez
pour en fonction de l'orientation que vous voulez donner à votre chaîne. Moi, j'aimerais, comme je vous dis, apporter un contenu sérieux, rigoureux et vraiment réussir à développer ma chaîne. Après, il y a plein de chaînes sur YouTube, des gars qui ont énormément d'abonnés, qui font des trucs fun et qui, voilà, qui tournent une vidéo uniquement lorsqu'ils ont envie, ils postent le truc, ils répondent pas forcément aux commentaires et tout, mais ils proposent du contenu. Et c'est pas forcément des mauvaises chaînes. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà... c'est pas forcément des chaînes sur lesquelles vous aurez un rythme de vidéo qui est régulier, etc. Ce genre de truc. Mais voilà, moi c'est pas la vision que j'ai de ma chaîne, et en tout cas c'est pas l'orientation que j'ai envie de lui donner. Et du coup je pense que si j'ai envie de faire un contenu qui soit un minimum sérieux et régulier, il faut absolument être organisé. Et en tout cas c'est ce que j'ai appris tout au long de ces 3 années sur YouTube. Voilà, et donc c'est vrai que bah, pour le coup, le fait d'être sans connexion internet, je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose, quoi. Et j'étais pas... J'étais pas indifférent par rapport à cette situation, et là le fait de retourner une vidéo, bah, je peux vous dire franchement je suis hyper motivé et je suis extrêmement content de vous parler à l'heure actuelle, c'est tout simplement incroyable. Du coup, voilà, pour ce que j'avais à dire quand même là-dessus, etc., sur ma petite expérience, sur ce qui s'était passé pendant une semaine et demie. Voilà, j'aimerais aussi vous parler un petit peu des commentaires très rapidement. Je suis en train de rattraper le retard, comme vous devez le constater, donc c'est cool. On devrait se stabiliser autour de un temps de réponse aux commentaires qui est de environ une semaine pour tous les commentaires et 2 à 3 jours pour les questions, etc. En tout cas, ça c'est l'objectif que j'ai, puisque j'ai quand même plus de 100... Oula, les pales ont un petit peu raccroché. C'est quand même l'objectif que je me suis fixé. J'ai plus de 100 commentaires par jour qui sont envoyés sur la chaîne, donc je peux pas tout répondre voilà, 3 jours après. C'est pas possible, surtout en faisant une vidéo par jour. Du coup, c'est ce que je m'étais fixé. Voilà, je m'étais dit, écoute, tu réponds aux commentaires une semaine, voire 5 jours après. Voilà, et les questions, etc., les commentaires un petit peu pertinents, etc., tu leur réponds 2-3 jours après, enfin, ce serait pas mal. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. Voilà. Pour les 20 000 abonnés, mesdames et messieurs, j'ai prévu pas mal de trucs et je vous ai fait un petit jeu, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, parce que oui, je me suis créé un Twitter qui est en test encore, donc j'en fais pas encore la promotion. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Twitter, Drissure, vous me trouverez. Vous pouvez me follow. Clairement, j'en fais pas encore la promotion, ce sera pas encore dans la description de mes vidéos, je suis encore en petit test, etc. Pour voir ce que ça donne Twitter. Donc voilà, donc je vous avais fait un petit jeu sur Facebook, sur Twitter et sur Discord. Ce fameux Discord d'ailleurs, où je vous remercie puisque vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'avais fait, comme je l'ai dit, voilà, un espèce de petit mini-jeu, quelque chose d'assez ludique, dans lequel je vous disais clairement qu'il y avait 5 nouvelles choses qui allaient arriver pour les 20 000 abonnés, et j'avais donné les premières lettres des mots, en gros, à trouver. Et donc, en termes de lettres, on avait... attendez 2 secondes, pom pom pom. On avait D, S, C, F et W. Et il y a parmi toutes, tous les réseaux sociaux, en fait j'ai tout compilé, le Discord, Facebook, Twitter, etc. Et j'ai vu ce que vous m'aviez répondu. Et il y a 3 lettres qui ont été trouvées, c'est D, S et C. Et du coup, je vais vous en parler un petit peu. D, c'est le design, c'est-à-dire qu'il va y avoir, si vous voulez, pour les 20 000 abonnés, une refonte totale du design de ma chaîne. Les 20 000 abonnés sont passés, puisqu'on est à plus de 20 100 abonnés. Enfin, ça va à une vitesse, et c'est vraiment incroyable. C'est oufissime, en fait. Enfin, voilà, c'est là où je vous dis, je m'en rends pas compte, quoi. Enfin, je sais pas. Regarde, le matin, je pars à 7h. Voilà, une journée classique d'un étudiant, je pars à 7h20 de chez moi, d'accord. Je prends le car pour aller jusqu'au lycée. J'ai, je sais pas, 20 100 abonnés. Et je rentre le soir, je vois, j'ai 20 150 abonnés. Je me dis, mais attends, il y a 50 mecs qui se sont abonnés pendant que t'étais au lycée, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose. Voilà, là où je pense, c'est. Ouais, c'est clairement là où je pense que je me rends pas compte, en fait, de l'expérience que je vis sur YouTube. En tout cas, pas totalement. Voilà, je sais pas si vous arrivez un petit peu à me suivre là-dessus, mais bon. Voilà ce que je ressens et je tenais à vous en faire part. Du coup, je me suis un petit peu perdu. Voilà, en fait, la refonte du design n'est pas encore arrivée. Puisque, en fait, alors je m'y suis pris très 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 longtemps à l'avance. Je m'y suis pris quand j'avais 12 000, voire 13 000 abonnés. C'est un truc qui est en discussion depuis septembre avec un professionnel que j'ai contacté, etc. Donc, quelqu'un de payant. J'ai payé pour avoir un nouveau design. Et c'est pas fini. Pour vous dire, je pense qu'on est à 55-60% du design,
de la chaîne qui est actuellement fait depuis septembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intro qui est en train d'être faite, il y a une outro qui n'est pas encore commencée, il y a le logo qui est fini, la bannière n'est pas encore commencée, les miniatures ne sont pas encore commencées. Par contre, écoutez, j'ai tout changé. Voilà, quand je vous dis une refonte du design, c'est vraiment une refonte totale. Il y a tout le visuel de la chaîne qui change. En passant, par le logo, en passant par les miniatures, jusqu'à l'overlay de stream, enfin bref, tout va changer. Donc vous me direz ce que vous en pensez, etc. Sur le logo, je suis parti vraiment sur quelque chose qui peut paraître ancien, démodé, mais en tout cas c'est comme ça que je l'avais imaginé, et c'est quelque chose de plutôt original, ça pourra ne pas plaire à pas mal de gens, mais en tout cas c'est comme ça que j'avais imaginé mon logo, et... Bref, voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, mais bon, voilà, je vous en parlerai quand on se rapprochera de la fin, à propos de cette histoire de design, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est en discussion depuis très 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 longtemps, parce que je m'étais dit, voilà, les 20 000 abonnés, te fais pas avoir, à chaque fois que tu prévois un truc, t'es en retard, du coup, bah là, t'es en septembre, mais c'est pas grave, commence à prévoir ton truc, et bah c'est ce que j'ai fait, et bah au final, on se retrouve 5 mois après, c'est toujours pas fini, voilà, donc autant vous dire que là, pour le coup, je m'étais pris quand même... plutôt en avance, en plus 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 5 mois, allez, quasi 6 mois après, donc c'est toujours pas fini, va falloir voir tout ça du coup, c'est encore en développement, et à mon avis ça arrivera plus pour les 22 000, 23 000 abonnés, ce serait cool, en tout cas que ça arrive dans ces eaux-là. Donc, voilà là-dessus, oula, il m'a fait peur, elle. Voilà là-dessus pour le design. Ensuite, l'autre lettre qui a été trouvée, mesdames et messieurs, c'est S. C'est tout simplement le mot stream. Pourquoi stream ? Parce que va y avoir plus de streams sur la chaîne. Alors, ça fait longtemps que je vous dis, oui, il y aura plus de streams sur la chaîne. On essaiera d'en faire un tous les vendredis soirs. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je vous dis ça. Et ça fait... en fait, je l'ai jamais fait. Tout simplement. J'ai dû en faire deux. Et puis, c'est tout. C'est simplement parce que j'ai pas le temps. Mais maintenant, je vous promets que c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment passer du temps. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer quelque chose à propos des streams qui va vraiment les révolutionner. Je vous en dis pas plus. Pour le moment, voilà, je me tais. Je me tais là-dessus. Enfin, dernière lettre, C qui a été trouvée, c'est concours. Oui, je vais organiser un grand, grand, grand jeu. Mais quand je vous dis un grand jeu vers 1000 abonnés, c'est vraiment un grand jeu vers 1000 abonnés. J'avais un petit peu réfléchi à l'idée et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas vraiment faire un gros truc et mettre 20 000 abonnés égale 20 jeux à gagner. Voilà, je trouvais ça sympa, 20K, 20 jeux à gagner. Et du coup, c'est ce que je vais mettre en place. C'est actuellement en discussion avec mon partenaire, donc justement GamesPlanet, que je remercie d'avance, puisque ils vont m'envoyer des clés de jeu, etc. Et voilà, franchement, sans eux, 20 jeux à gagner, ça aurait pas été possible. Après, c'est vrai que 20 jeux à gagner, c'est quand même beaucoup, donc je vais en payer de ma propre poche. Enfin, quand je dis de ma propre poche, c'est l'argent issu de la monétisation. Hein, vous doutez bien que quand j'ai mis la monétisation, comme je l'ai dit, de toute façon, hein, depuis le début, c'était pas pour aller faire des McDo avec les copains, mais c'était vraiment pour rapporter de l'investissement sur la chaîne. C'est grâce à ça que j'ai pu m'acheter une 1080, c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous acheter des clés de jeu, c'est grâce à ça que j'améliore mon matos, que je fais pas mal de trucs, c'est grâce à ça... Oh là là, mais c'est excellent les panneaux. Ah mais ça vient du DLC Vive la France, ça. Ça vient pas de la promo, je crois. Ouais, je crois que ça y est dans le Vive la France. Et donc voilà, c'est grâce à ça aussi que je peux investir justement dans des... comment t'appelles ça, dans des graphistes entre guillemets professionnels pour le design de la chaîne, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois lettres qui ont été... Tu veux pas t'avancer un peu, s'il te plaît ? Ça, c'est pour les trois lettres qui ont été trouvées. Voilà, maintenant, il reste les lettres F et W qui n'ont pas été trouvées. Donc bon, à voir si elles sont trouvées, etc. Je pense que je reviendrai pas dessus jusqu'à ce qu'il y ait une vidéo et que ça soit officiellement lancé. Je pense que je vais laisser un petit peu le mystère couler. Mais voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, j'ai eu pas mal de choses à vous dire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en plus, franchement, on est dans les timings. Ouais, on est dans le timing, franchement, donc c'est cool. Salut, collègue. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé avec le petit convoi exceptionnel et les pales d'éoliennes. C'était plutôt sympa. On livre à DB Schnecker. Donc, nickel. Mettons warning directement puisqu'on va dépasser au niveau de la route. Nickel. Ouais, non, par contre je pourrais pas me la garer comme ça, je pense. Parce qu'elle sera trop longue. Je peux tenter de me la garer comme ça, ça devrait être bon. Hop. Nickel. Ouais, bah, c'est plutôt sympa cette petite remorque. Plutôt cool.
Moi j'aime bien. J'ai bien aimé, mesdames et messieurs. C'était très sympathique. En tout cas, franchement, j'ai hâte de rouler sur la promote parce que c'est vraiment magnifique. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis content pour les FPS. Il n'y a pas eu un seul lag. C'est juste un micro lag, je crois, d'une demi-seconde dans cette vidéo. Et je pense que ça doit être vachement agréable pour vous à regarder. Et c'est tellement agréable aussi pour moi à jouer, me dire qu'il n'y a pas de lag, etc. Je peux mettre mes feux, etc. Enfin, on est toujours à 80 FPS. C'est cool. Comme quoi, les gars, pour tourner ETS2 avec des mods enregistrés en même temps avec Action Mirilis, bah voilà. Je suis désolé, mais les gars, voilà, faut un PC à 1500 € à investir dans une GTX 1080 qui coûte 600 €. Bon, heureusement que je l'ai payé moins cher, mais bon, voilà. Autant vous dire que bon, voilà. Faut de l'investissement pour un vieux jeu qui passe pas encore à DirectX 12 en plus. C'est ça le truc, c'est que clairement faudrait que SCS passe le jeu en DX12, mais je suis même pas sûr que ce soit prévu. C'est énormément demandé par la commu, mais bon, ils le font pas, etc. Bon. C'est pas bien grave. Au passage, je tiens à dire quand même qu'il y a un nouveau DLC qui est actuellement en pré. Oula, bah ça va les coups de lag là, je dis que c'est fluide et puis là, ça y est, c'est la fête. Il y a un nouveau DLC qui est en. Ouais, c'est une texture buggée, très bien. Du pack de remorque, je crois que ça doit. Ouais, il doit y avoir une incompatibilité sur celle-là. Donc, je vous disais, mesdames et messieurs, à savoir qu'il y a un nouveau DLC qui est en développement de la part d'SCS Software, c'est des nouvelles remorques, un DLC Chrone, avec des remorques, bah, du coup, comme son nom l'indique, Chrone. Donc, ça, c'est en développement. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse consulter ma page Facebook, puisque je fais des petites news sur la page Facebook, puisque comme ça, bah, ça permet tout simplement de la dynamiser un petit peu plus. Et c'est bien plus pratique pour tout le monde. J'espère que cette vidéo sur ETS2 vous aura plu, ça m'aura fait très plaisir de vous la tourner. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour les 20 000 abonnés, vous êtes géniaux. Allez, salut tout le monde.